Les chers amis auditeurs et spectateurs, bienvenue à l'émission L'Heure de la Délivrance. Nous rendons hommage au Seigneur de nous avoir donné le privilège d'être avec vous une fois de plus. Bienvenue à tous et je vous souhaite la paix du Seigneur cordialement, chaleureusement, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Nous bénissons, Seigneur, nous adorons. Alléluia. Thank you, Jesus. Oh, you are wonderful, Lord. I worship you. Merci, Papa, nous bénissons. Nous célébrons le nom qui est au-dessus de tout notre nom. Le nom de Jésus-Christ. Qu'au nom de Jésus ce soir, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Oh oui, alléluia. Éternel Dieu, fidèle Créateur, mais nous approcher la présence sous Assuréa. Nous te remercions, Seigneur, pour bonté. Merci pour miséricorde. Certainement, Seigneur, nous capables à l'œil nu. Et bien, manifestation, œuvre à travers la vie, non. Tu as démontré, Seigneur, ta souveraineté en nous. Et nous te sommes reconnaissants ce soir. Et merci Seigneur parce qu'on a nos privilèges pour nous capables de rentrer dans la présence. Et parole nous déclarer heureux celui que l'Éternel admet en sa présence. Alléluia. Admette-nous Seigneur, soya. Ou mais nous inviter Dieu le Père, sautez ça dans le nom de Jésus. Nous inviter Jésus-Christ, Seigneur, nous sauveur. Nous inviter la plénitude de la puissance du Saint-Esprit capable là pour bénir et sanctifier Seigneur. Non seulement serviteur qui va host programme ça, mais davantage Seigneur, chaque auditeur, chaque spectateur, ne peut pour tout à travers le monde. Permets, Seigneur, que les paroles qui seront prononcées à travers cette émission produisent en eux l'inspiration divine et d'autant plus le réconfort divin. Nous comptons sous même, Seigneur, que l'onction du ciel va couvrir studio. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous couvrons devant bien bas. Seigneur, mon mado, pardon pour péché mieux. Et pardon, Seigneur, pour erreur moins, pour culpabilité mieux laver moins, purifier moins. Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de rentrer par contrôle. Par contrôle, tout ça que nous va faire. Dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ. Dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ. Dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Oh oui, Baba. Alléluia. On célèbre au Seigneur, dans moi béni. Et tout ça qui n'a moins exalté, on assure. Alléluia. Ah ouais. Qu'est-ce que nous avons présence au Seigneur, assure. Alléluia. Oh, gracious God, we worship you tonight. Hallelujah. Oh, you are wonderful, dear God. We worship you. Hallelujah. Vous êtes force, nous, Seigneur, sur nous bénissons. Oh, les maisons piquées spirituelles, nous avons touché de vous-même. Dans le nom de Jésus. Hallelujah. Mmh. Oh, oui. Mmh. Oh. Thank you.
Merci Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia. Psaume 64, au chef des chantres, psaume de David. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante, des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient de leur méchanceté. Ils se conscientent pour tendre des pièges. Ils disent qui lèvera. Ils médisent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. Mais alors, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Et tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent corde à son œuvre. Le juste se réjouit à l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Psaume 65. Avec confiance au Dieu, on te louera en dansant. Il en accomplira les vœux qu'on t'a fait. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités macabres, tu pardonneras nos transgressions. Pour celui que tu choisis, que tu admets en ta présence, maman, pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force, les saints de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots, le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde se frayent de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détruis par des puits, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis. Les vallées se revêtent de froment, les cris de joie et les chants retentissent. Parole du Seigneur. Alléluia. Ou papa, nous qui sommes dans le ciel là, mais non, retournez encore en présence, soit souhait. Non seulement nous pouvons remercier en bas, mais nous exalter. Alléluia. Nous nous remercions, Seigneur. Oh, parce que maintenant, vous avez une relation avec nous qui est très importante à cause de l'alliance qui était faite par le sang versé de Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur, nous sommes devenus tes enfants. Amen. Alléluia. Et tu as mis en nous, sur nous, Seigneur, le sceau du ciel, qui est le Saint-Esprit de Dieu, par le moyen, Seigneur, duquel nous avons droit à l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Oh, assure à papa, mes serviteurs courbés devant. M'inviter dans le studio dans le nom de Jésus. Alléluia. M'inviter dans la vie, Seigneur, chaque auditeur, chaque spectateur. M'inviter au Seigneur dans la vie, tout ça, à travers le monde, quel que soit côté au branché. Et dans l'heure que vous branchez dans le nom de Jésus. Alléluia. Que la vie éternelle, capable partage. Que la sanctification et la justification, capable un mode de vie pour vous-même, pour vous vivre selon vous-même. Et non, capable glorifier. Voici à Seigneur, mais nous devons. Mais nous demandons force. Oh, nous demandons redoubler nos forces, Seigneur. Bah, nous courage dans le nom de Jésus. Devant toutes circonstances que nous avons traversées. Devant toute montagne qui est devant nous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, devant tout challenge que nous avons fait face, au Seigneur. Oh, assure à nous compter. Alléluia. Sous force parole-là. Parce que c'est vous-même qui c'est espoir, non. C'est vous-même qui c'est refuge, non. Cachez-nous en bas, le Seigneur. Cachez-nous dans le refuge ou cachez-nous dans la forteresse ou parole nous dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient, s'y trouvent en sécurité.
Oh Seigneur, fais-nous grâce à soi. Ça qui brise dans route là, passez mes prends yo. Ça qui décourage, passez mes prends yo dans le nom de Jésus. Ça qui a battu, ça qui a traversé des moments de peine et de douleur. Alléluia. Dans moment ça même, visitez-vous dans le nom de Jésus. Alléluia. Fais grâce Seigneur à soi. Mes missions ça nommé, on nous demande s'il vous plaît dans le nom de Jésus. Je te grâce aux faveurs. Alléluia. Oh, côté qui à travers le monde, tout ça au Seigneur qui en bas, oppression et ennemi, qui va avoir une liberté dans le nom de Jésus. Tout ça qui a traversé la vallée de Baca, qu'ils reçoivent la lumière. Alléluia. Ta présence, Seigneur, va capable suffire dans la vie, au papa. Assure mes serviteurs devant, balayer au manteau de feu. Habiller la manteau par là. Couvrir avec toutes les armes de Dieu dans le nom de Jésus, afin qu'il va exécuter comment le Seigneur. Et non, va glorifier. Et non, va exalter dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Heavenly Father, we come to you tonight in the name of Jesus. We come to celebrate your name. We exalt your name higher. We give you thanks and honor for the things that you have done in our lives throughout the course of this day. We have declared that this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh, Father God, right now we are inviting you to take control of everything that we're about to do right now. Holy Spirit, we call upon your name now in the name of Jesus. I pray that you will visit each and everyone that is watching tonight from wherever they may be. Oh, Father God, I pray that you will touch their heart. You will touch their physical bodies in the name of Jesus. I pray that you will open the heavenly doors upon them tonight. Let them receive grace. In abundance of grace, hallelujah, from heaven in the name of Jesus. Oh, Father, we need you tonight. We need you, Lord. We cannot do anything without you. I pray, Father God, that you will, anoint the men of God with the anointing of heaven right now. I pray that you will give him a mantle of fire so he will execute your will as far as preaching the gospel of Jesus Christ. And I pray that Holy Spirit will touch as many hearts as you want, so many can receive the joy of salvation, and your name shall be glorified, your name alone. Oh, Father God, we need you to manifest your power in the midst of us tonight. When you are here, we feel secure. Holy Spirit, come right now. Come and take control. Come and take control. We need you. We need you. Our heart is open. Oh, Papa, hallelujah. Yes, Lord, we need you. We need you right now. Come down right now, hallelujah. Fill up the heart of everyone that is watching in the name of Jesus. Spirit of joy, spirit of peace, hallelujah. Yes, Lord, we need you. We need you right now. We need the light of Jesus Christ. We need your power. We need your power tonight, hallelujah. I pray that the Holy Spirit will touch everyone that is suffering right now. May they receive complete healing from the top of the head to the sole of the feet in the name of Jesus. Hallelujah. Spirit of grace, come down and fill our heart. We need you, Lord. Come and fill my heart tonight. Father God, I yield myself to your Lordship tonight. I am available as your servant. I want to do your will, O God. I pray that you will, hallelujah, hear my cry and come to my rescue. My life is in your hand. You can take control and do whatever you want to do with me. I am available to you, Lord. I pray that you will do the same to every listener, everyone that is watching this program tonight. May thy will be done in their lives. In the name of Jesus, I pray. Oh, thank you, Father. Manifest your power. Manifest your power. Heal somebody tonight. Hallelujah. I pray that you will deliver someone right now from the yoke of the enemy in the name of Jesus. I decree and I declare deliverance upon them tonight. May the spirit of grace abound upon them right now. In the name of Jesus. I plead the blood of Jesus on them, glory. I plead the blood of Jesus on the household. I plead the blood of Jesus on their lives. I plead the blood of Jesus on their families. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I exalt you, Father. We honor your presence tonight. Oh, Spirit of the living God,
We call upon you. We need you. Alléluia. Oui, plein tasse-moi. Plein les nettes. Et femme vine bien. Plein tasse-moi, assure Seigneur, nos grands goûts pour présence. We are hungry for your presence, oh God. Manifest your presence in our lives. Thank you, Jesus. Ah oui, plein tasse-moi. Seigneur, plein les nettes. Et femme, vine bien. Éternel Dieu, fidèle créateur, nous voici en ta présence. Nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, de tes multiples bienfaits en notre faveur. Tu nous as bénis, Seigneur, de multiples bénédictions durant le cours de cette journée. Nous te sommes reconnaissants. Nous te glorifions, nous t'adorons, Père, nous te célébrons, car tu mérites l'honneur. Tu es la rose de l'as de Saron, le lit des vallées. Alléluia. Nous t'adorons, ô Dieu, le Dieu grand et fort, le Dieu souverain. Celui qui délivre à mes fortes et à bras étendus, nous t'adorons ce soir. Nous invitons ta présence parmi nous maintenant, Seigneur. Nous avons besoin que tu manifestes ta gloire à travers la vie de tous ceux-là qui nous suivent de peu partout. Permets, Seigneur, qu'ils reçoivent ta grâce, la grâce éternelle, alléluia, de ton Fils Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, que tu visites la vie de tous nos auditeurs et de tous ceux-là qui nous suivent, Seigneur, de peu partout. Permets, Seigneur, qu'il touche, alléluia, à ta grâce et que ton nom soit glorifié. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir le ciel. Permets, Seigneur, que la pluie de la première et de l'arrière saison soit répandue sur la vie de tous ceux-là qui sont branchés ce soir. Alléluia. Que les pluies de bénédiction abondent en eux maintenant et que ton nom soit glorifié. Nous te demandons, Seigneur, que tu fasses le désir de la personne de ton serviteur. Permets, Seigneur, qu'il exécute cette œuvre de justice pour ta gloire. Qu'à travers cette émission, Seigneur, permet qu'il y ait quelqu'un qui reçoive, oh, une guérison parfaite. Oh, permet, Seigneur, qu'il y ait quelqu'un maintenant qui reçoive le salut éternel pour son âme. Et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À toi soit la gloire, au siècle des siècles. Nous comptons sur toi, Seigneur. Tu es Dieu béni éternellement. Ton trône est élevé au-dessus de tous les cieux, nous t'adorons, ô Père. Tu es grand, merveilleux, merveilleux. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Et Rababa Sete. Oh, Father. I call upon the name of Jesus. Jesus, yes, you are my Lord. You're the Savior of my soul. Vous s'est sauvé la vie, ma soeur, mais glorifié. Hallelujah. I call upon the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus. Jesus. And Jesus. He's the Savior of my soul. Oh, my. Hallelujah. Thank you, Jesus. I want to welcome everyone tonight to this program. I pray that the Holy Spirit visit your home tonight. We declare this is the day that the Lord has made. Let's rejoice and be glad in it. Hallelujah.
I give honor and praise to my Heavenly Father who allowed me to be on the air with you tonight. And I believe that this night is a very special night to a very special people. Hallelujah. I want you to know that you are very special in the eyes of your Heavenly Father tonight. He had made provision of grace and mercy for your soul. Glory. Hallelujah. I just want you to believe tonight that something supernatural is about to happen in your life. Praise God. Just open up your heart. Oh, glory. Hallelujah. See, Father, I'm available to receive your grace. Oh, glory. And you will feel that something will start happening in you, in your mind. If you are sick tonight, I pray that the hands of God will touch you. And you shall be healed from the top of your head to the sole of your feet in the name of Jesus. We know that the enemy is a liar. The devil is a liar. He will tell you that you will not be here, but I come to tell you. Contrary to what the devil has told you, God has a plan for your life. Praise God. Plans of deliverance, plans of blessings. Do you want to be blessed tonight? Glory. Open your heart, open your arm and worship him. Yes. Understand that when blessings goes up, oh my man, when praises goes up, hallelujah, blessing come down. I pray that God will visit you. I'm going to pray right now. Et nous voulons souhaiter la bienvenue chaleureusement à tous nos auditeurs et tous nos spectateurs. Bienvenue à votre émission favorite, l'heure de la délivrance. Et une fois de plus, donc hier soir, maintenant, j'étais vraiment pris dans les affaires, ceux qui m'empêchaient d'être avec vous en onde. Et bien sûr, maintenant, on fait un point. Maintenant, on me dit, well, il paraît que ma part est là, mais quand même, et j'ai déployé le grand effort maintenant pour être ici avec vous, en votre compagnie. Je vous souhaite cordialement la paix du Seigneur. Et m'espérer que le Seigneur t'ait visité durant les jours passés. Non, avant que nous prions, et moi, hier maintenant, moi tapé, maintenant, suivre la politique des États-Unis. Et maintenant, moi t'es stand, moi t'es réellement à coup de natte. L'empire bagarre que m'te croyé auparavant, m'a pas croyé là-dedans encore. Il m'a suivi maintenant le déroulement et de ça nous relève maintenant. Et une politique de démagogie qui était faite maintenant à travers la télévision, le monde entier t'attendait. Là, you know what? Souvent, c'est qu'il y a une justice sur la terre, pas une justice sur la terre. C'est mon Dieu seulement qui a une justice là-dedans. Nous témoignons comment que les hommes ont fait figure bien dit, ils ont mis tête à terre maintenant pour faire ma gueule, pour faire une conspiration. Et même content que Jésus-Christ a pour retourner, le Dieu maintenant qui jugera le monde avec justice et équité. Alléluia. Il m'a dit côté vérité à IA, vérité c'est vérité et mensonge c'est mensonge. Donc, nous ne pas venir maintenant pour nous venir faire politique. Donc, nous voulons arrêter loin de politique maintenant des États-Unis. Et maintenant, même si y a tes commentaires, et je les garde personnellement pour moi, mais je m'en moins. Je ne pas bon nana pour Suzanne, pas faire maintenant et accepter bagaille. Parce que raison maintenant, comme des serviteurs de Dieu, nous devons maintenant dire la vérité. Et hier, maintenant, nous t'ai témoigné, écoutez, nous te voyons un seul homme dans le Parti républicain, un seul homme t'est campé avec la vérité. Connais que tout l'autre républicain, maintenant, t'est campé d'une autre façon, mais lui-même seulement mis toi amené. Et à ce moment, dit que la faveur de Dieu reposait sur l'homme, ça. La vérité qu'il t'a dit, maintenant, a coûté l'empire bagaille. Il a coûté les amis, il a coûté maintenant réputation, il a critiqué. Mais il était le seul maintenant à se tenir debout et maintenant proclamant la vérité. Maman. Assure maintenant, nous avons un exemple que nous apprenons de ça. Moi, loué mon Dieu pour m'amener. Moi, loué mon Dieu parce que moi, dit. Et ou même chrétien. Est-ce qu'on va négocier vérité maintenant pour être mangé, pour être rad, pour être réputation? Côté que maintenant, monsieur capable, c'est 4 ans seulement le faire comme sénateur. Il ne va pas gagner trop de monde derrière parce qu'il ne va pas camper des popularités à maintenant nos combats de magouilleurs qui étaient réunis ensemble. Donc, il y a des documents maintenant, ce n'est pas en Haïti seulement qui est magouilleur, ce n'est pas en Haïti qui est truc. Ce n'est pas que nous venons maintenant qui est à travers le monde entier aujourd'hui. Pour qui résolve comme ça? C'est parce que Jésus-Christ seulement et la parole de Jésus-Christ doit reconnaître comme seule vérité. Alléluia. Les hommes dans le mensonge, président dans le mensonge. Sénateur dans mensonge. Et il n'y a pas honte, il y a honte, il met tête à terre. Ou alors, il ne peut pas regarder mon nom, il met tête à terre. Il y a un sénateur, il met tête à terre, il ne peut pas regarder. Parce que maintenant, il te connaît la vérité, vraiment. Mais là, tu as dit,
ou même comme chrétien sur qu'apprendre pour dire vérité, même si vérité coûte ou il ca coûter ou mettre dans famille ou il ca coûter aux amis ou il ca même coûter la vie ou alléluia. Mais connaît que maintenant le Seigneur a voulu que nous pratiquions la vérité, alléluia. Les écrits de la parole de Dieu, la Bible déclare, amen, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. M'a couru derrière mon encore. Et maintenant, j'aime dire qu'on a Paul que la politique américaine, maintenant, c'est le seul côté qui a justice. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est toute la terre, maintenant, qui est dans ma gueule. On se bagarre pour nous-mêmes qui chrétiens, pendant que nous vivons dans la toute corruption, ça y est. Nous faisons bagarre pour nous briller. Alléluia. Continuez à ma gueule, pas seulement dans la politique, mais maintenant, nous mettons tout chrétien blanc, yo, nous mettons ensemble. Nous faisons même bagarre parce que ça y est. Donc, maintenant, nous, c'est le parti, maintenant, des pharisiens. Et moi béni mon Dieu pour la Bible. Mais béni mon Dieu pour la vérité de Dieu. On va prier à cela maintenant. Prions maintenant, on va prier pour nous overcome satanic demonic conspiracies. Ça veut dire que côté que Satan fait complot, mettre tout ensemble avec un bon démon pareil pour détruire la vie, pour détruire son possédé, pour détruire famille, pour détruire maintenant et santé. Mais dans le nom de Jésus, alléluia. La Bible dit que toute âme forgée contre moi soit sans effet. Alléluia. Le Seigneur pral, amen, bloqué, amen, bloqué tout ennemi, quelle que soit force, yo, quelle que soit puissance, yo, quelle que soit autorité. Yo. Dans le psaume 91, maintenant, David dit que, amen, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Le Seigneur pas qui t'atteigne. Alléluia. Parce que raison 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. I want to pray for you tonight, praise God. Alléluia. On va prier pour chaque auditeur qui est branché puis nous va faire prier ça. We're going to pray against that the Holy Spirit will overcome any satanic and demonic conspiracy. Oh Heavenly Father, we call upon you right now. I invoke your name, the name of Jehovah God, the only true God, the one who is the creator of heaven and earth. We worship you right now. In the name of Jesus Christ, the name that is above all other names, I proclaim that name, hallelujah. And I decree victory tonight in the life of everyone that is watching this program, from wherever they may be, in the name of Jesus. Oh, Father God, I pray right now that you will meet them at the point of their need right now, hallelujah. Whatever they need, that need may be right now, Father God, you will meet with it and destroy it, hallelujah. Hallelujah. And satisfy the life of your children. Oh Dieu grand, mais nous courber devant. Rencontrer challenge nous yo. Chaque auditeur, chaque spectateur qui a su programme sa soir. Yo ont besoin différent. Rencontrer besoin dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que montagne, Seigneur, qui a campé devant, gloire à Jésus. Et tu nous as donné, Seigneur, cette puissance. Oh, et irrésistible. Alléluia. Ou dis-nous, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ou tout le la jette dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. À ce qu'il y a monde qui a des montagnes dans la vie, dans le nom de Jésus. Montagne ou des oreilles, vous tendez. Moi, donnez au tomber dans les ténèbres, dans le nom de Jésus. Alléluia. À ce qu'il y a monde qui a des problèmes financiers, dans le nom de Jésus, pas de travail. Oh, moi, arrivé, il faut payer Kaila, il faut payer machine. Faire payer Billio dans le nom de Jésus. Commandez tout problème de finance. Be removed and cast your stuff into the sea right now. In the mighty name of Jesus Christ right now. Hallelujah. Nous commandez tout esprit de fermité, toute douleur dans la tête, douleur dans la ceinture, douleur dans le pied, douleur dans le ventre, dans le pancréas, diabète sucré, tension, quelle que soit maladie, un double madness spirit. I rebuke you right now. I take authority over you right now and I bind you. I commit you to go to the pit in the name of Jesus. Hallelujah. Que l'esprit de la délivrance va couvrir. Hallelujah. La vie chaque bien-aimé qui branche à soya. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Seigneur, nous comptons sur nous-mêmes, nous adorons. Hallelujah. Seigneur, serviteur, veillez sur moi. Amen. Va prendre soin de moi. Et remplis ma puissance. Hallelujah. Je prie au Seigneur pour toute conspiration, tout démon, toute vieille expédition, tout vieil esprit contraire. Oh, dans le nom de Jésus qui est mis en vous, des petits ou pour détruire la vie, pour influencer tout esprit en voûtement, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. Qu'on a demandé au Seigneur délivrance pour vous. Alléluia. Pas quitter Seigneur mauvais, les frapper. Oh papa. Pas quitter aucune force ténébreuse, gain victoire sur vous. Alléluia. Pas quitter Seigneur langue. Oh, langue mauvaise. Attaquer vous dans le nom de Jésus. Assure Seigneur chaque fois ennemi a ouvert bouche li. Pour le bail petit au madichon. Alléluia. Que Dieu fait prendre langue dans le nom de Jésus. Chaque fois ennemi a maintenant ouvert bouche li. Maintenant pour les crèches petit ou yo. Que bouche li rempli à de l'eau dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Assure à chaque fois ennemi a ouvert bouche li. Avec incantation. Incantation maintenant. Pour vous madichon. Pour détruire petit ou. Au nom de Jésus. Que langue n'a collé dans bouche li. Alléluia. Oh, que la protection de Dieu. Je déclare l'Éternel se lève. Oh, papa, 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 alléluia. L'Éternel se lève et ses ennemis se dispersent. À cela, disperse ennemi, qu'il soit comme la balle emportée. Rarabasete. Par le vent, alléluia. Que l'ange de l'Éternel les chasse. Amen. Et que leur route soit ténébreuse et glissante. Dans le nom de Jésus, alléluia. Ennemi a perdu dans la route longue. Mais comme des confusions, qu'on a même au nom de Jésus. Ennemi a maintenant Pakawe, alléluia. Li Pakawe, le Pakawe, route là. Toute transportation maintenant, route méchanceté. Dans le nom de Jésus. Assure ma rete puissance, moi méloteo, moi donné au tombé dans les ténèbres. Dans le nom de Jésus, alléluia. Sauve petit yo, papa, alléluia. Délivrez famille, délivrez petit yo, délivrez petit yo, délivrez financier, alléluia. Il y a des gens qui sont malades en silence. Il y a des gens qui sont cancer en silence. Qui sont souffrent en silence. Il y a des docteurs qui ont mauvais report à soi. Oh, papa, après-midi. Il y a des gens qui parlent cas docteur. Docteur qui est en plan pour bailler maintenant. Oh, résultat, combien de temps qu'il y a pour vivre encore. Mais nous déclarer dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est Jésus seulement qui a prononcé sur la vie nous. C'est lui-même qui se met la vie nous. Alléluia. Assoir dans le nom de Jésus. Changez bagaille au Seigneur. Changez bagaille dans la vie peuple. Changez dans la vie famille. Changez dans la vie santé. Changez dans la vie petite. Que les timoun qui ont des problèmes. Que les timoun qui va apprendre l'école. Que les timoun Seigneur. Oh, maintenant, que l'ennemi a maintenant qu'un bémagne. Que les timoun qui a mis ton roche sous yo. Pour gâcher. Pour lui gâcher destinée. Dans le nom de Jésus. Mais comment est-ce que l'ennemi retire mon sou yo? Retire mon sou yo. Retire mon sou yo. Retire mon sou yo. Dans le nom de Jésus, alléluia. Dans le nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, ennemi a sorti nos routes, qu'on a commandé confusion, qu'il est tombé dans cette route. Il va connaître quelle direction vous prend. Dans le nom de Jésus, oh, assurez-vous déclarer, et rababasete, randerebese, glorabasaya. Alléluia. Assurez-vous déclarer, ennemi, pas boire sans petit tuyau, ennemi, pas manger viande, alléluia. Ennemi, pas craser, zoyo, randerebese. Dans le nom de Jésus, alléluia. Dans le nom de Jésus, assurez-vous gâter son nom. Gâté son nom avec Saint-Esprit, alléluia. Tout logao, tout zobopa, oh, tout malfaiteur qui t'avait fait nous mal, n'a dormi congécré dans le nom de Jésus. Assez à déclarer du feu, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, fire, fire on them right now, fire all over the body, all over your body, all over the body, in the name of Jesus, alléluia. Au nom de Jésus, déclare victoire. Tout ennemi qui a essayé de travailler contre nous. Nous avons mis congé clair ou perdu bataille là. Mais arrêtez dans le nom de Jésus. Alléluia. Moi, menoté avec une chaîne de feu. Alléluia. Et moi, jeté dans les ténèbres. Moi, jeté dans les ténèbres. Il n'y a pas jamais qu'à sortir pour étendre le jugement de Dieu. Au nom de Jésus. Assurez à visiter chaque auditeur encore. Mais l'heure de la délivrance, c'est un docteur du jour de mer. Fais grâce, Seigneur, et touche la ville. Moi, descends, moi, devant, moi, coubé. Si je dois redescendre, moi, Seigneur, pour tirer au gré, moi, yo. I surrender myself unto you, Lord. Have your way in my life. Use me as a vessel of honor. Hallelujah. Use me, Lord, as a vessel of honor. Glory to God. Hallelujah. I surrender. I surrender, oh God. Without you, I cannot do it. I need your power, your presence. In the name of Jesus, in my life, oh God. In my life, oh God, c'est vous-même seulement qui gagnez, Seigneur. C'est vous-même qui c'est bon Dieu. Alléluia. Baba, donne-moi le Dieu. C'est vous-même l'éternel Dieu. T'as des voix à souhait. Je prie pour chaque bien-aimé, ça, oui, Seigneur. Et que voix va arriver dans la présence. Que mes intercesseurs, ils vont recevoir faveur. À retour dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Hallelujah. Now, this is the prayer to overcome satanic and demonic conspiracies. Hallelujah. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, I lose confusion against every satanic and demonic conspiracy against my life. Let the secret counsel of the wicked be turned into foolishness in the name of Jesus. Let those gathered against me be scattered right now in the name of Jesus. Send out your lightning, O Lord, and scatter the enemy. Destroy, O Lord, and divide their tongues. No weapon formed against me shall prosper. The gates and plans of hell shall not prevail against me. I overcome every strategy of hell against my life in the name of Jesus. Every strategy of hell is exposed and brought to light in the mighty name of Jesus. I receive the plans of God for my life, thoughts of peace and not evil to bring me to an expected end. I am delivered from every satanic trap and plot against my life in the name of Jesus. I release the whirlwind to scatter those who would conspire against me. Let those who devise my hurt be turned back and brought to confusion. Let the nets they have hid catch themselves, and into every destruction let them fall. I bind and rebuke every spirit of Sanballat and phobia in the mighty name of Jesus. Oh God, hide me from the secret counsel of the wicked in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, gracious God, we worship you tonight. Hallelujah. Nous sommes prié en anglais maintenant pour tout complot des mots et nous pour laisser gagner. Nous allons faire le prier, nous allons mettre en victoire sur vous. Nous allons délire, nous allons mettre en diviser. Alléluia. C'est pour diviser, c'est pour vous commencer à attaquer l'autre dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est pour vous petit commencer à attaquer plus gros. Alléluia. Petit couleur commencer à manger gros couleur dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est pour tout ça que t'es derrière sang, qui t'es derrière maintenant craser zo, qui t'es derrière manger viande. Alléluia. Qui malfaite ça yo manger pour viande pa yo. Qui au bois pour sans pa yo dans le nom de Jésus. Qui au craser pour zo pa yo dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que le sang de Jésus campé contre vous-même. Oh, merveilleux. Alléluia. Oui, prêtasse-moi. Les lunettes, papa, et fais-moi vivre bien. I break and divide every demonic confederacy against my life in the name of Jesus. I lose confusion into every demonic confederacy directed against my life, family and church in the mighty name of Jesus. Divide and scatter them that are joined together against me, O Lord. I bind and rebuke all demonic reinforcements sent by Satan to attack my life and my family in the name of Jesus. Make the ruling spirit of these confederacies be like Oreb, Zeb, and Zeba, and Salmon in the name of Jesus. Oh my God, make them like the wheel as the storm before the wind. Persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm. Let them be confounded and troubled forever. Let them be put to shame and perish. Lose confusion and let them attack each other in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Et voilà, mes deux potos, je vous salue une fois de plus. Je vous souhaite la paix du Seigneur. C'est votre serviteur, votre animateur de ce soir, Docteur Point du jour, Jean-Aurel, pasteur titulaire de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, qui vous salue en direct depuis le studio et de la radio station Collision FM à Philadelphie. Et ce soir, une fois de plus, le
Privilège m'a été donné d'être votre pasteur et votre animateur, votre frère dans le Seigneur. Et nous sommes venus vous encourager, alléluia, de par nos prières et la présentation de la parole de Dieu. Et nous espérons que nous serons pour vous une source d'inspiration et d'édification pour la gloire de Dieu. Bienvenue à tous. Bienvenue à votre émission favorite, l'heure de la délivrance. Et voilà, nous allons demander à notre bien-aimé sœur de se retrouver sous le podium sur Candy, Sister Candy, et qui va nous faire part de cette sélection. Gloire à Jésus. Bonne écoute. Gloire. Seigneur. Et moi, salut tout le monde qui branché et tout spectateur de nos autres, les amis de Facebook et ceux également de YouTube. Bienvenue. Ah ouais. Merci, Seigneur. Ma. Nous nous saluons tous nos amis, tous les auditeurs qui sont branchés de la contrée de Florida, West Palm Beach, bienvenue. Et tous ceux de Miami, bienvenue. Nous vous saluons chaleureusement. Également, nous saluons tous nos auditeurs de New York, Bronx, New York, et ceux-là qui nous suivent à travers Facebook. Et de peu partout, je vous souhaite la paix du Seigneur. Et pas bien que musique, ça c'est vous-même. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Oui, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Oui, papa. Il sort sous. Et c'est puissant, mon Dieu, qu'on va faire. Ça livre les brouillés. C'est pas vous-même. Amen. Alléluia, petit fils, moi. Gloire à Jésus. Amen. Louez le Seigneur. Louez le bout de délivrance pour qu'il n'en route à venir. Oh, maman. Alléluia. Gloire. Fille ou Jean. Maman. Est-ce que vous battez moi? Gloire, bon Dieu, brûlez la voix à soi. Amen. Adoré. Oui, Seigneur. Oui, papa. Et vous suivez l'heure de la délivrance sur votre radio station de tous les jours, Radio Connexion FM. Et la voix de la puissance de l'évangile à travers le monde. Radio Vola, Radio Pamna, Radio Tout Chrétien Vivant. Non, ouais. Oh, ouais. Oh, ouais. Moi, j'avais gloire. Oui, gloire au Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Il n'a pas de partager vos programmes, ça va nous attendre. Et qu'on monde maintenant qui cœur pas content, lui briser à soya, mais qui besoin d'une parole qui va porter consolation pour lui partager vos programmes. Non, share it. Let somebody else hear what the Lord will say tonight. Oh, glory. Alléluia. Présence sous nos moments, ça. Oui, papa. Seigneur, va y nous avec présence sous nous, assoya. La présence sous là, nous sentons bien. Oh, ma. Alléluia. Chloé. En vérité, la présence de mon Dieu, là maintenant, même soif souffrir, mon espoir. Oh oui. Ma, alléluia. Qui te le Seigneur va y assouer. Oh oui. Oh.
Envahis, Seigneur. Envahis, alléluia. Oh! Et on va suivre l'heure de la délivrance. Et sur Facebook, là, YouTube, Yahshua nous vient maintenant pour nous encourager, pour qu'il te présente, mon Dieu. Envahis, maman. Dis, Seigneur, envahis, non. Et la joie du Seigneur, il va force où? Oh! Il va lever notre tour autour de maman. Oui, papa. Envahis, Seigneur. Love it. Love it. Envahis, Seigneur, à quoi je suis. Oh, alléluia. Envahis, Seigneur, mes crèmes louvres, envahis-moi. Avec présence, amen, so magali, haha, à moi, maman, ça avec moi, ma chavem, béni non, mon Dieu, vous-même, haha, ça éclaire moi, ma chavem, ma vie, mon Dieu, béni, oh, amen, alléluia, glory, oui, Seigneur, il a salué Joseph Lynn, maman, Joseph Lynn, c'est la première fois, comment est-ce que ça? Il salue son monde qui me connaît, salut. Oh, et qui présente mon Dieu envahi. Sister Jésus là, Paul, bienvenue. Sister Angela Davis, bienvenue. Joseph Chadba, Mama, welcome. Et notre sœur Chantal Bertrand, je te souhaite la bienvenue ce soir à l'émission L'heure de la délivrance. Et nous espérons que nous serons pour vous une source d'inspiration. Oh, Mama. Amen. Glory. Yahweh. Oui, Seigneur. Travaille dans moi, Seigneur. Ah, mon sister Joseph Lynn. Eh, quel est ce monde, pardon, hein? Oh. Nous saluons quand même. La salut sur Marie de Rosier, bienvenue. Là, ouais. Non, moi. Non, moi. Travaille dans moi, Seigneur, travaille dans moi. Gloire à Jésus. Oh, ma. Et voilà, on va suivre toute l'émission favorite, maintenant l'heure de la délivrance sur antenne, Radio Connexion FM, et moi, surtout, bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, nous allons entrer dans la parole de Dieu, parce que nous, elle a fait chemin, il est marqué déjà 10h42 minutes au studio de la radio station Connexion FM à Philadelphie. Écoutez, que comme on salue, soit à peine branché, moi, souhaitez la paix du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et moi, je veux maintenant rappeler aux auditeurs, nos spectateurs, nous aussi, on l'heure pour nous arrêter dans la prière. Si on l'a maintenant pour ne pas mettre les yeux sur le monde, pas regarder sur le monde, pas regarder sur ça, mon affaire, pas suivre le monde comme ça, mais qui tes yeux fixés sur le Seigneur. Alléluia. Notre rédempteur maintenant n'est pas loin pour lui retourner. Et si nous t'ajoutons des regards, chers amis, maintenant autour de la température, et nous voyons que maintenant, je vous dis, maintenant c'est 6 février. Oh my God, la pluie tombée, la chaleur, et maintenant pas de neige. J'ai encore une glace, c'est parce que maintenant, maintenant, il y a l'accomplissement de la parole de Jésus-Christ qui nous a été annoncée maintenant dans Matthieu, le chapitre 24. Maintenant, de la température, maintenant, il y aura des signes maintenant qui va dicter que maintenant, il y a des changements qui prennent place et maintenant qui indiquent le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, à ce moment, maintenant, pour suivre l'émission, ça maintenant, qui te dit avec vous mêmes amis, est-ce que maintenant, vous avez fait la paix avec le Seigneur? Est-ce que maintenant, il est Seigneur? Est-ce que maintenant, vous acceptez comme rédempteur dans la vie? Alléluia. L'ivoyer serviteur venu bon côté pour fort connaître, mais ça le dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix,
J'entrerai, je soupirerai avec lui, lui avec moi. Est-ce que vous allez même dire, amen, avancer devant le trône de la grâce de Dieu? I want you to know that there will be a time where mankind will be looking for salvation, but it will not be available. Now, this is the time of salvation right now where you can yield your heart to your heavenly Father. Because he's calling upon you right now. He said, if you open up your heart, I will come in. I will heal your diseases. I will take away all your sins. I will take away the filthy garment that you used to wear. I will give you a robe of righteousness. Oh, glory. Hallelujah. That you want to enter into a new relationship with Jesus Christ. That you want to accept him as your Lord and Savior. I am available to introduce you right now to the throne of grace of God. He's calling upon you right now. There is no guarantee what is going to happen tomorrow. You see today, but you don't know what is going to happen tomorrow. This is the time of salvation right now. Jesus is calling upon you. Le Seigneur Jésus se tient à la porte de ton cœur maintenant. Il te dit, ouvre-moi. Si tu ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai. Je soupirerai avec toi. Tu deviendras mon enfant. Alléluia. Je tirerai de ta vie toute la souillure que tu avais auparavant. Je pardonnerai tous tes péchés. Alléluia. Je te donnerai la vie éternelle et tu auras part à l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Cette promesse est certaine et véritable. Est-ce que vous m'attendez maintenant à recevoir grâce à Seigneur, nous t'adorons une fois de plus. Nous te prions, Seigneur, en ce moment que tu touches les cœurs de tous ceux-là qui nous suivent à travers Facebook et YouTube dans le nom de Jésus-Christ. Permets, Seigneur, que tu envoies ton esprit dans leur cœur afin que qu'ils se détournent du mal, qu'ils viennent à toi. Permets, Seigneur, que tu ouvres leurs oreilles afin qu'ils t'entendent et qu'ils reçoivent de ta part la vérité de Dieu, afin que leur vie, alléluia, soit sauvée. Nous te demandons en ce moment même, Seigneur, que tu envoies ton esprit dans les cœurs des jeunes garçons et des jeunes filles qui sont en péril maintenant. Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde et de compassion. Que mes Seigneurs, que tu exerces ta souveraineté en eux. Alléluia. Qu'ils se détournent du mal, qu'ils viennent à toi et qu'ils te reçoivent. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Father, I pray right now that you will touch the heart of those that are listening right now, that are watching this program. You are standing at the door of the heart. You are calling upon them. You are telling them, if you open up your heart, I will enter. I will be a father unto you. You will be a child unto me. I will take away all your sins and cleanse you. I will give you eternal life. Oh, Father God, I pray right now in the name of Jesus that you will open their heart. Bring them around. Hallelujah. Help him, Lord, to look at the cross where there's power. Power of deliverance. Power to receive grace and abundance of grace. Oh, Father God, we yield into your presence right now. And I pray that you will attract them into your presence, Lord. They will receive you. And they will serve you forever. Father God, I pray right now that the word that I'm about to preach right now will transcend the heart of those that are listening. Cause them to receive a word of edification, a word of comfort, and bless them. In the name of Jesus. Béni Seigneur la vie, tout ça qui branche à soi. Et que ces paroles qui vont prononcer qu'on n'est pas capable de toucher cœur tout ça qui attend de suivre le programme ça. Et non, on va glorifier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Servir, serviteur, Seigneur, fais grâce. Alléluia. Mais j'en aurai le point du jour dans mon coupé bien bas. C'est vous-même qui c'est maître, moi. C'est vous-même qui c'est professeur, moi. C'est vous-même qui c'est bon Dieu, moi. Alléluia. Je ne vais pas faire vous-même, Seigneur. Moi, descends, moi, bien bas devant. Alléluia. Utilisez-moi encore le foi. Et non, on va glorifier. Et non, on va exalter au nom de Jésus-Christ. À vous-même soit la gloire, l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Et salutations spéciales à notre émission. Galdin Stephen, bienvenue. Bienvenue à l'émission L'heure de la délivrance. Et voilà, chers amis, nous bénissons le Seigneur, soyez, parce que nous avons un petit temps qui est très court. Et écoutez, que dit déjà, on marque 10h48 minutes dans le studio. Donc, je vais avec un bout trop long parce que il y a des gens qui m'ont commenté qui disent que lorsque l'émission est trop longue, maintenant, les gens n'ont pas arrêté presque.
Donc, lorsque maintenant, bah, on a un petit chaud et bien rapide, côté que moun prend rapide. Donc, vraiment, l'enseignement de la parole de Dieu, c'est tellement, il y a des points maintenant difficiles à comprendre. L'icône, quelquefois, prend du temps maintenant pour nous expliquer, et surtout lorsque nous avons fait exégèse quelques versets, donc, et parce que maintenant, il est important pour capable maintenant comprendre. Peut-être que c'est un seul mot qu'on est capable de recevoir, mais maintenant, on comprend. Et maintenant, on va mettre en pratique ça qu'on attendait dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà depuis le studio à Philadelphie, en Pennsylvanie. Je vous salue chaudement, c'est votre serviteur, docteur. Moi, du jour, Jean-Rel. Et moi, remène dans l'amour du Seigneur et moi, content. Et lorsque moi, capable de venir en votre compagnie pour la présentation de la parole de Dieu. Et j'espère que dans les quelques minutes que nous allons passer ensemble avec vous, le Seigneur maintenant va toucher cœur et maintenant va recevoir parole sa yo, qui va transcender cœur et va produire dans nous-mêmes la vie. Et la vie en abondance dans le nom de Jésus-Christ. Et je voudrais vous rappeler maintenant que nous avons pu maintenant étudier maintenant et le livre de Daniel. Et à chaque maintenant, nous allons entrer dans Daniel, le chapitre 3. Dans le chapitre 3 maintenant, dans le chapitre 2 maintenant, nous était conclu. Nous était conclu la fois dernière maintenant, côté que Dieu était maintenant, amen, humilié Nebuchadnezzar maintenant avec sagesse. Oh, glory. D'ailleurs, maintenant, comme vous le savez, chers amis auditeurs et spectateurs, que Nebuchadnezzar était un roi, un belligérant. Il était un homme très orgueilleux. Il voulait maintenant déclarer la guerre au Créateur. Et maintenant, connaissance que Nebuchadnezzar était limitée, ma mère. Maintenant, Dieu, dans son amour, maintenant encore, l'était non l'autre les vols servis avec Nebuchadnezzar maintenant comme un instrument de jugement pour te juger Israël. À cause maintenant de leur iniquité et de leur maintenant idolâtrie. Et maintenant, nous voyons que, comme on connaît, lorsque nous avons fait un peu d'histoire maintenant, après la mort maintenant de David et plutôt de Salomon, et le fils de David maintenant, nous voyons que Israël, le royaume d'Israël maintenant était divisé en deux parties. Et maintenant, il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Et maintenant, il y a des tribus qui étaient allées ensemble et maintenant, il y a deux tribus qui étaient allées ensemble. Et nous voyons que distribuer ça a été tombé dans l'idolâtrie parce que maintenant, même Salomon, qui était maintenant fait cette grande prière dans 2 Chroniques au chapitre 17, chapitre 7, et maintenant, qui était maintenant consacré et dédié le temple de Jérusalem maintenant à l'éternel Dieu, et maintenant, c'est ce même Salomon qui était introduit maintenant l'idolâtrie dans ce même temps. Amen. Et quelque chose qui déplut à Dieu, ça te déplaît, mon Dieu, pour te voir comment que maintenant il levait Salomon dans une dimension qui était si élevée. Et jusqu'à cette heure, chers amis, pas gagné maintenant un roi qui gagne sagesse Salomon. Et d'autant plus pas gagné un monde maintenant sur la terre qui était riche, même Jean, et qui riche, même Jean, avec Salomon. Dieu lui avait donné la gloire, la sagesse, la connaissance. Et d'autant plus, maintenant, Dieu avait fait de cet homme, maintenant, l'homme le plus riche qui ait jamais été existé. Mais nous voyons encore ce même homme, cet homme, après avoir joui de la faveur de Dieu. Il était celui-là, maintenant, qui a introduit dans le temple de Dieu l'idolâtrie. Maintenant, ce que Dieu, maintenant, avait interdit, ça, Dieu t'a interdit. Et c'est lui-même qui t'a fait. Parce que maintenant, l'interdiction, maintenant, en matière de relations humaines, et relation de mariage, Dieu interdisait le mariage des païens avec les juifs. Maintenant, c'était un sacrilège que était pour un juif te marier avec une autre nation. Et maintenant, qui ça Salomon fait, le fils de David, maintenant, qui avait connaissance de la loi de Dieu. Et maintenant, les interdictions que Dieu maintenant avait établies, maintenant, ce même Salomon qui était gagné toute sagesse à l'IAL et maintenant allié avec maintenant et petit roi d'Égypte. Et maintenant lié avec maintenant d'autres maintenant femmes maintenant étrangères qu'il amenait et maintenant femmes n'ont pas deviné seulement mais elles ont introduit dans le temple et dans la nation d'Israël l'idolâtrie et maintenant pour quelle raison que Israël t'est maintenant et que t'es séduit par maintenant l'idolâtrie maintenant de ces nations-là, c'est parce qu'en eux, il n'y avait pas de foi, il n'y avait pas la foi. Quand il n'y a pas de croix dans mon Dieu vraiment, quand il était vacillé. Assure maintenant, nous pouvons vous dire certainement, si maintenant on croit dans mon Dieu, amen. Croyance, diable, maintenant, pas influencer croyance dans mon Dieu, parce qu'on connaît qui est-ce que mon Dieu, qui est-ce bon Dieu qu'on servir. Alléluia. Nous servons un Dieu maintenant créateur. Nous servons un Dieu souverain. Celui qui délivre à mes fautes et à bras étendus. Celui qui a le pouvoir maintenant de prononcer une chose. Et cette chose est établie. Alléluia. Et ce Dieu que nous servons, que lorsqu'il parle, maintenant la montagne tremble en sa présence. Gloire.
Est-ce que vous connaissez ça, soya? Et ça que m'a pas servi l'autre bon Dieu moi-même. M'a pas gagné l'autre Dieu, mais pas gagné l'autre bon Dieu, mais son seul Dieu qui gagne. Alléluia. Dans les écrits de Paul, maintenant, adressé maintenant au peuple d'Éphèse, pour le déclarer maintenant dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 5, Paul déclare, il dit, il y a un seul Dieu et Père de tous. Alléluia. Un seul Seigneur. Jésus-Christ le médiateur. Alléluia. Oh, glory. Mama. Dieu, maintenant, après avoir, maintenant, et sondé le cœur des enfants d'Israël, et maintenant, il était, ouais, comment qu'il était largement, il se livrait largement, maintenant, dans la pratique de l'idolâtrie. Dieu, maintenant, te permet que Nebuchadnezzar, il était non seulement un homme orgueilleux, mais Dieu se servait de sa personne comme un instrument de jugement pour juger, maintenant, cette nation. Oh, mama. Nebuchadnezzar pas connaît que c'est mon Dieu maintenant qui était à utiliser. Je suis entré en gros poignette. Il fait un pile bagaille. Il prend maintenant les meilleurs. Il nous dit maintenant, moun qui a plus qualité dans la nation Israël, l'Almène ou la Kaili. Il est rentré maintenant dans le temple de Jérusalem. Il prend maintenant tout ustensilio. Là, il met dans la maison Baal. Monsieur maintenant allé plus loin. Il change non. Il change non maintenant ces quatre jeunes hommes là. Et bien, il change non Shadrach, Meshach et Abednego. Ça, c'est non babylonien yo. Mais c'est pas comme ça, vous êtes Maman. Amen. Mais Dieu t'a dit, bon, ok, il est l'heure qu'on y a pour commencer à dire la veille. Dieu se jetait cet homme maintenant. Non, pour faire sommeil, puis il m'a dit des visions nocturnes. C'est-à-dire des rêves. Il est jeune que maintenant, Salomon te fait un rêve, et, excusez, et Nebuchadnezzar te fait un rêve que pas qu'à comprendre. Il te fait rêve une grande statue. C'est que Dieu maintenant voulait lui montrer maintenant. Oh, les royaumes maintenant qui vont prendre place dans le futur, mama. Écoutez, c'est lui-même, avec lui-même, que nation ça, et gouvernement ça va commencer. Encore, en dépit maintenant de cette attitude orgueilleuse de ce roi, mais Dieu se servait maintenant de ces jeunes garçons, et parmi lesquels maintenant l'un d'eux du nom de Daniel, en lui résidait l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu se servait de la personne de Daniel pour donner l'explication des songes du Nebuchadnezzar. Oh, glory! Alléluia! Assurez-vous qu'on est qui devrait appeler le Seigneur capable de servir avec au presgar. Même besoin qu'on est qui niveau éducation maintenant, qui sont qu'on est, si on descend le cœur devant mon Dieu, si on descend dans Esaïe, le chapitre 1er, le verset 18, maintenant Esaïe déclare, si vous êtes docile, verset 19, si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia! Assurez-vous pour faire qu'on est bon Dieu, qu'on plan pour la vie, au praise God. Alléluia. Peut-être que dans l'environnement, il ne va pas comprendre valeur, mais le Seigneur, qu'on plan pour la vie. Dieu se servait de Daniel. Ne fait que Daniel te baille, mais tu es dans l'explication. Songe de Nebuchadnezzar concernant un grand statut sacré dans Daniel, le chapitre 2. Amen. Et après que maintenant, le roi de Nebuchadnezzar, après avoir reçu l'explication de ce songe, maintenant qui s'est fait, la Bible déclarait maintenant dans le verset 46, le roi de Nebuchadnezzar tomba. Oh, mama. Alléluia. Merci Seigneur. Le roi de Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Même Nebuchadnezzar était roi, il descendit devant Daniel. Alléluia. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Oh, glory. Et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et il révèle le secret. Alléluia. Puisque tu as pu découvrir ce secret. Oh, glory. C'est ça que c'est plus gros mal qu'un chrétien qui a fait tête li. Pour lorsque il y a un passé dans la ville, qu'il ne pas comprendre, la lacaille psychique. Connais-tu que c'est bon Dieu, mais tu n'as révélé le secret. Alléluia. Ça quelqu'un maintenant agit maintenant par l'influence de l'esprit de l'air. Mais maintenant, Dieu révèle les secrets de par son esprit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le Seigneur nous a promis que nous allons recevoir. Il va conduire nous dans toute la vérité. Est-ce que vous recevez cet esprit à soi? Est-ce que maintenant, vous sentez dans vous-même une connexion avec bon Dieu? Are you connected with God? Did you receive the Holy Ghost? I want you to know that the Holy Spirit, when it comes inside your life, will enlighten your intelligence. The Holy Spirit will give you the spirit of discernment. You will be able to dissect many secrets, things, mysteries that were hidden before for you, but God will give you the ability, hallelujah, to dissect them
Alléluia. Bagay qui était caché auparavant, Dieu va vous habiliter pour capable maintenant et même disséquer. Alléluia. I pray tonight that the Holy Spirit visit your life. I pray tonight that the Holy Spirit touch you in the name of Jesus. I pray that you receive the Holy Ghost. Hallelujah. And I can tell you that lorsque vous recevez cet esprit, pas jamais moun côté auparavant, that's when you become born again. Hallelujah. When you receive the Holy Ghost in your life, that's when you are born again. If you are not born again tonight, I pray that the Holy Spirit touches you and visit your life. And I promise you that you will no longer be the same in the name of Jesus. Et ainsi, chers amis, après que le roi fin adressé maintenant déclaration avec Daniel, il dit, le roi adresse la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Et il révèle le secret, puisque tu as pu découvrir ce secret. Oh, maman! Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreuses et riches prisons. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Mais Daniel pria le roi de remettre l'étendant pour la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Mes amis, allons analyser ça, Kounia, là. Nous voulons que maintenant, roi vienne reconnaître que mon Dieu qui est dans le ciel, là. Ce n'est pas le Dieu encore. Kounia, guess what? Monsieur Koubel devant Dieu, là. Monsieur dit en vérité, pas qu'on l'autre Dieu. Maintenant que le Dieu de Daniel, c'est lui-même qui est le Seigneur des rois. Oh, maman! Mais le chapitre 3, en ouest, ça le fait. Même statue, après, elle fait répéter par les dans la bouche, là. C'est même j'avais conseillé les mounes, oui. Il y a le jeûne de prière, il y a le maintenant dans le service, il y a tout réveil qui gagne, il y a tout mouvement maintenant gagné, mais quand l'heure arrive pour Al-Kaunga, il court Al-Kaunga. Maintenant, c'est l'esprit de Nebuchadnezzar maintenant qui est inspiré pour faire ça. Alors, ce même roi maintenant qui a adressé des remerciements maintenant qui se courbait de la présence de Dieu, quand maintenant il était témoin maintenant que si un monde capable de découvrir ce secret ça, en vérité maintenant, bon Dieu qui est dans le ciel là, en où ça le fait? Le chapitre 3, lisons. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Je t'ai fait vision statue, hein, qu'il a maintenant là, le bâti lui-même, là, le fait lui-même. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées, et lors de 6 coudées, il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Wow! Well, comment comprendre ça? Même roi ça qui t'a honoré l'Éternel, qui t'a honoré le Dieu du ciel, c'est même roi ça maintenant qui a bâti un statut. Et puis convoquer maintenant tout maintenant les grands de son royaume pour venir faire qui ça? Pour venir adorer statut. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue. Oh maman, est-ce qu'on peut comparer un Dieu vivant avec une statue qui fait de main d'homme? Oh my God. Je vais me déclarer sur la voie dans le nom de Jésus que tout maintenant, si quelqu'un qui était la caille dans le nom de Jésus, qu'on mette au dehors, qu'on y a même. Alléluia. Je vais me déclarer sur la voie liberté dans le nom de Jésus que tout mon choix rouge qui est proche, nous mettons nos kembe en secret, pendant que nous prenons nos nous prenons nos missions, nous tout côté. Que mon choix rouge, là maintenant, qu'on l'a dit, là, toi, converti dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais déclarer que tout petit prière maçon, côté gagné, petit prière sébatol, que maintenant on va répéter, oh, et même pendant on va dire le nom de Jésus, je vais déclarer au nom de Jésus, il y a une prière, ça va travailler tout. None of them is going to work, mama. Parce que maintenant on sont faux adorateurs. Mama, on va casser servir deux dieux à la fois. Jésus-Christ déclarait dans le livre de Matthieu, nul ne peut servir. Alléluia. Dieu et maman. Alléluia. Alléluia. Après la traversée de la mer Rouge, Dieu maintenant voulait faire d'Israël une nation. Maintenant, la première chose maintenant que Dieu avait fait, il leur donnait maintenant la constitution qui était les 10 commandements. Alléluia. Il leur a dit comment le premier commandement que l'Éternel maintenant lui était énoncé. Maman. Non, maintenant. Non, maintenant.
Et 10 commandements, il dit, je suis l'Éternel. Amen. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Assure qui est-ce qui est bon Dieu? Je dis à quelqu'un tout maintenant qui est bon Dieu. Maintenant, vous faites un pasteur bon Dieu. Vous faites un prophète bon Dieu. Il y a des gens qui croient en un prophète qui croient en bon Dieu. Il y a des gens qui croient en un pasteur qui croient en bon Dieu. Il y a des gens qui croient en un bishop qui croient en bon Dieu. Il y a des gens qui croient en un prophétesse qui croient en bon Dieu. My, dis ça, c'est l'idolâtrie. Et c'est comme ça que les hommes maintenant devenus aujourd'hui, les hommes a couru de un prophète, y a couru de un homme qui gagne deux miracles, y a couru de youn maintenant qui y aurait mon a tombé devant yo, my. A ce moment il faut qu'on ait que tomber va faire pas faire qu'on délivre vous ça. Non. Parce que la majorité de ces gens là maintenant ils font l'usage maintenant de l'esprit de l'air et la reine des eaux. Et maintenant qui opère maintenant qui mettons donc on transe qu'on ait que vous tombez parce qu'on bat influence des démons. Alléluia. A chaque fois, c'est que maintenant, le fait qu'on tombe ou délivre pour ça. Alléluia. Kremdou Kishoy. La plus grande délivrance que quelqu'un peut avoir, c'est l'entrée de Jésus-Christ dans votre vie. Oh, glory. Lorsque Jésus entrait, amen. Puissance Satan brisée, glory. Lorsque Jésus entrait, votre vie est devenue maintenant une nouvelle créature. Selon ce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, alléluia. Cela veut dire qu'autrefois j'étais ténèbre. Je marchais maintenant dans les traits ténébreuses. Et maintenant je suis devenu lumière en acceptant Jésus-Christ. La lumière de Dieu est entrée en moi, alléluia. La couverture de Dieu maintenant est sur moi. Je ne suis désormais maintenant des enfants des ténèbres. Mais à présent je mords de la lumière. Quand celui qui est lumière habite en moi. Alléluia. Maman, pas tomber devant mon frappe ou se tomber du coup de pensée. Non. Vous êtes sous l'influence des esprits des eaux. Assurez maintenant de prier que le Seigneur, alléluia, délivre en moi. La plus grande délivrance dans la vie de quelqu'un, c'est l'entrée de Jésus-Christ dans votre vie. La première résurrection de la vie du chrétien, c'est l'entrée du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit donne la résurrection à l'âme qui était morte en Adam. Et vous êtes devenus conformes selon les lois de Dieu. Oh, alléluia. J'espère que quelqu'un maintenant m'écoute ce soir. Et qu'on moune qu'à vous suivre ça que m'a dit à soya. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et voilà, chers amis, à travers ce texte, nous avons pu constater maintenant une attitude maintenant d'idolâtrie, maintenant que ce type-là, maintenant qu'il professait, maintenant Nebuchadnezzar, c'est un idolâtre qu'il était, en dépit que maintenant il avait, maintenant il était tenu compte que bon Dieu qui existait, mais dans son esprit maintenant il était doué, établi un statut. Il y a des gens qui vont à l'église, qui still maintenant croient dans le statut, qui still well, qui croient dans Maman Marie, qui croient dans le Seigneur de bagaille, maintenant des choses, maintenant nous t'a dit, même qui de profanité. Ils ont renié maintenant la parole de Dieu. Maintenant, ils ont couru après des choses maintenant qui baguent la vie. C'était l'attitude du Nebuchadnezzar. Il bâtit un statut. Et puis il passait l'ordre. Alléluia. Amen. Amen. Dans le verset 4, la Bible déclare un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Maman. Après que Nebuchadnezzar, maintenant, après avoir, maintenant, après que maintenant tu es vérifié de la souveraineté de Dieu, mais ça va t'empêcher maintenant de pratiquer ça que tu es, parce que maintenant son cœur n'était pas encore circoncis. Maintenant, lorsque nous faisons mention de la circoncision spirituelle, la circoncision spirituelle, c'est le fait que maintenant Dieu entre dans le cœur au monde, Saint-Esprit gagne contrôle. Qu'on est qui cœur maintenant, pas hier, les cœurs pas inclinés vers les choses maintenant diaboliques encore, mais il est devenu maintenant une nouvelle créature. Alors que nous parlons close programme la soirée, question que m'a posée avec vous-même, est-ce que maintenant qu'on a bon Dieu avec tout cœur, sous qu'on a bon Dieu avec tout cœur, on va avoir grâce, on va avoir miracle, on va opérer vous-même. Lorsque Jésus-Christ de retour maintenant dans la ville de Béthanie, après la mort de Lazare maintenant, alors que ses soeurs maintenant, elles pleuraient amèrement,
Maintenant, on te dit avec Jésus, si tu étais là, mon frère, maintenant, pas frère, n'a pas mouru. Et Jésus te dit avec Marie, ne sais-tu pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le plan de Dieu pour votre vie ce soir, c'est qu'on va poursuivre la gloire. Pas mal de vous, ouais, mon Dieu, parce que maintenant, on ne peut pas vivre, ouais, mon Dieu, trop gros. On ne peut pas vivre sous, ouais, mon Dieu. On va demander pour la gloire à soi. Priez pour vous-même, c'est pour la gloire, mon Dieu. Alléluia. Tout trouble qui est dans la vie ou dans le nom de Jésus, assure que le Seigneur maintenant fixe ma main, fixe pensée, au bon, au good standing, dans une foi qui ferme. Oh, gloire. Et pour nous, ces paroles, ça sous même. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, croit que ce qu'il y arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, glory, hallelujah. Thank you, Father. Seigneur, nous te disons merci. Pour ces paroles, Seigneur, que tu venais de nous enseigner à travers la bouche de ton serviteur. Tu nous as parlé, Seigneur, tu as voulu que nous recevions les instructions que tu nous donnes afin que nous les pratiquions, que nous puissions vivre, Seigneur, selon ta volonté. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'audience de ce soir et tous ceux-là qui nous ont suivis durant le cours de ce programme. Et puis, mes Seigneurs, qu'ils ont reçu une parole qui produise en eux l'édification. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons, Seigneur, nous louer. Nous prions dans l'heure, ça, Seigneur, va visiter tout ça maintenant qui va dire la foi dans nous-mêmes. Tout ça qui va te croire l'évidence de la parole de Dieu. Oh, alléluia. Parole du Seigneur, comme nous l'épée à deux tranchants. Quelquefois, lorsque nous attendons maintenant, il transperce l'âme, non. Gloire. Il touche volonté, nous, il touche sentiment, non. Mais quelquefois, le blesser nous, Seigneur, pour nous capables de meilleur. Oh, glory. Assure, Seigneur, si il y a un monde qui t'attend des paroles, ça, yo, qui t'a vivre dans l'idolâtrie, qu'il va changer de physique. Alléluia. Changer d'épaule. Connais que Seigneur, il va capable maintenant de nous joindre. Fais le connaître, c'est vous-même qui c'est créateur. Fais le connaître, c'est vous-même qui est souverain. Avant, on pas gagné l'autre. Après, on pas gagné l'autre. Alléluia. Assure, dans le nom de Jésus, transcendez les cœurs. Tout ça qui est loin, Seigneur, fais retourner, regarde vers la croix. Alléluia. Fais regarder vers la croix de Jésus. Alléluia. Côté où va joindre le pardon. Côté où va joindre la vie. Côté où va joindre la rédemption. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Acquittez-nous, Seigneur, servir avec maintenant deux langues. Que nous n'avons pas place pour recevoir de Dieu, mais son seul nous a recevoir. Alléluia. Seigneur, mes cœurs serviteurs devant Jean-Aurel, point du jour, l'éternel Dieu, entre dans le cœur encore, demeurez, chita sous ton cœur, moi. Fais-moi servir. Moi, c'est agile là dans la main ou c'est potier. Formez la vie, mon Seigneur. Retirez tout ça qui n'est pas bon, fais de moi-même, ça ouvre les miens, dans le nom de Jésus. Assure-moi de déclarer que tout challenge qui te campé doit disparaître dans le nom de Jésus. Que tout Goliath qui te campé doit ordonner ou tomber devant moi. Face en bas, au nom de Jésus. Et pas chambre levée encore, au nom de Jésus. Alléluia. Assure me commander, au nom de Jésus, que toute la mer rouge qui était devant moi, que toute pharaon noyé là-dedans, avec toute armée, dans le nom de Jésus. Alléluia. Pharaon, c'est montagne difficile. Pharaon, c'est stubborn sickness. Oh, alléluia. Pharaon, maintenant, c'est challenge qui campait devant nous. Dans le nom de Jésus. Pas un challenge qui a fait nous changer d'identité, non. Oh, papa. Pas de challenge qui a fait nous changer qui est nouillé. Parce que bon Dieu nous est grand. Il est capable de faire toute bagaille pour nous. Parce que le remet nous. Seigneur, remet nous à soi. Ou remet auditeur, ou remet spectateur, ou remet famille, ou remet nous. Alléluia. Si tu es seul petit toi, Jésus-Christ. À la croix, afin que nous sommes capables de servir. Alors qu'on a sorti dans l'air, Seigneur, nous demandons que grâce ou abonder sur la vie. Chaque bien-aimé qui t'est branché. Tout ça qui a besoin, compter on a besoin. Ça qui est malade, ça qui parle à l'hôpital, demain si Dieu veut. Fais-le arriver à l'hôpital, docteur, maintenant, va bailler un beau report dans le nom de Jésus. Alléluia. Que toute maladie, nous commande au fond dans le nom de Jésus. Maladie, nous commande au fond dans le nom de Jésus. Challenge, nous commande au déplacer au nom de Jésus. Oh, tout esprit de persécution,
tout esprit affliction, moi arrêter, moi menoter, moi jeter dans les ténèbres, dans le nom de Jésus. Tout ça qui est dans la confusion, tout ça manio faible, assurer à vos forces, bayo des sentiments fermes. Alléluia. Je vais dire même Jean avec la Amen, même Jean avec l'apôtre Paul dans Philippiens 4 verset 13. Je prie tôt par celui qui me fortifie. Oh Father God, we thank you tonight for your mighty presence. You have manifested your sovereignty in this program tonight. We bow down in your presence. You know, we offer you our praise. We honor you in our hearts. We glorify you. We decree and we declare from the rising of the sun to the going down of the same. May the name of the Lord be praised forever and ever. Oh, Father God, as we get to the closing of this program tonight, I pray that everyone that was watching has received a word from you tonight. I pray that this word will lead them, will touch them, will do something supernatural in their life in the name of Jesus. I pray, Father God, that this word will produce healing in the mind, in the spirit, in the physical bodies. Oh, Father God, I give you honor for using me as an instrument of honor in your presence. I yield myself under your lordship tonight. Do what you want with me. I am available to you. I pray that you will bless this night. In the name of Jesus, I pray. In the name of Jesus, I pray. Amen. Oh, hallelujah. Et voilà, bien sûr, nous sommes arrivés à la clôture du programme de ce soir. Et j'espère que vous avez bénéficié maintenant de la parole de Dieu, une portion de la bénédiction et du Seigneur qui vous a été distribuée ce soir. Et c'était votre serviteur au microphone qui vous a desservi, Dr. Paul Joël, et votre frère dans le Seigneur et pasteur titulaire de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. J'espère vous retrouver pour une autre émission demain soir. Parce que demain soir, maintenant, on a frappé par la prière. Et maintenant, à 11h30, maintenant, vendredi soir, on a frappé la soirée de délivrance, soirée de combat, de 11h30 jusqu'à 1h du matin. So, be with me. Branchez maintenant demain soir à 11h30. Connaissez que nous allons frapper. Amen. Rochea. Amen. Il ne connaissait pas. Amen. Et quand pile bagaille qui va le faire, parce que le Seigneur connaît le présent, le passé, le futur. J'espère pour vous retrouver demain soir en onde. Une fois de plus, je vous souhaite la paix du Seigneur et bonne soirée. Until then, have a blessed night. God bless you. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord.